Bonjour et bienvenue dans l'émission Hard Time Machine. Mathieu Morand avec vous pour un voyage musical à travers le temps. Nouvelle émission de Hard Time Machine. Cette saison, j'explore les pays du monde entier et leurs groupes de métal. On s'arrête aujourd'hui aux Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, c'est un pays qui n'est pas très grand, hein, 41 500 km², mais dans lequel évoluent beaucoup de groupes de métal et beaucoup de groupes de métal qui ont un rayonnement international. On va commencer dans les années 80 avec l'incontournable Vandenberg. Album éponyme qui sort en 1982. Adrian Vandenberg, originaire de La Haye, bien connu des fans de Whitesnake, puisqu'il sera recruté par la bande à David Coverdale dans les années 80.
Et toujours dans les années 80, justement, autre groupe majeur de la scène néerlandaise, ce sont les death metalleux de Pestilence. Ils pratiquent un death metal technique, comme ça se faisait couramment dans les années 80, précurseur du technical death metal d'aujourd'hui. Pestilence, l'album Consuming Impulse qui sortait en 1989, c'est aujourd'hui un classique, une référence du death metal à l'international. Ils sont originaires de Enschede, c'est une ville à l'est des Pays-Bas.
On passe maintenant le cap des années 90, mais on reste dans le death metal. Autre groupe majeur de cette esthétique, c'est Gorefest et son album Erase, qui est souvent cité comme une référence du style death metal. Titre Fear, extrait de Erase, qui sortait en 1994. Gorefest, c'est un groupe qui se forme à Zeeland, c'est une ville au sud-ouest des Pays-Bas, et il se forme dès la fin des années 80.
Et pour beaucoup d'aficionados du métal, les Pays-Bas riment beaucoup avec métal symphonique à chanteuse et le tiercé gagnant Within Temptation, Epica et After Forever. On commence par After Forever. Très beau travail de composition et d'arrangement hein, pour ce titre de l'album Decipher qui sortait en 2001. La chanson s'appelle Zenith, After Forever, menée par la chanteuse Flor Johnson. Ils sont originaires d'un petit village qui s'appelle Revers aux Pays-Bas.
Autre groupe de métal à chanteuse formé à peu près au même moment, au milieu des années 90, c'est Within Temptation, hein, qui bénéficie vraiment d'une aura internationale.
travail d'orfèvre hein, sur cet album de 2004 de Silent Force du groupe Within Temptation, un album absolument indispensable. Le groupe est mené par la chanteuse Sharon Den Adel et c'était le titre See Who I Am. Et pour compléter, le tiercé gagnant du métal symphonique à chanteuse, un groupe fondé par Mark Johnson, lui-même ancien After Forever, c'est le groupe Epica. Yeah.
originaire également du village de Revers, hein, bizarrerie géographique qui concentre visiblement plusieurs talents, le groupe Epica qui se forme en 2003. Ici, on retrouve la chanteuse Simone Simmons. On poursuit avec un groupe beaucoup plus confidentiel, il s'appelle Reviver, ils font plutôt dans le power metal et j'avais pu entendre leur album de 2005. We'll be right back.
Le groupe Reviver, ils se forment à Purmerend en 1997 et ils mettent plusieurs années à sortir ce tout premier album éponyme, Reviver, donc qui sortait en 2005. Et en dehors du tiercé gagnant qu'on a entendu tout à l'heure, il existe bien entendu d'autres groupes de métal à chanteuses aux Pays-Bas qui sont certes moins populaires mais qui n'en sont pas moins très très bons. On va écouter notamment le groupe The Lane. Thank you.
Lane. Il se forme en 2002 autour de l'ancien claviériste de Within Temptation, Martin Westerholt, et de la chanteuse Charlotte Wessels. Il s'agit ici de leur album de 2006 qui s'appelle Lucidity. À suivre, quelque chose que j'ai depuis très longtemps, mais que je n'ai toujours pas vraiment compris, ou en tout cas que je n'ai pas correctement appréhendé, je ne sais pas. En tout cas, c'est un disque qui est souvent cité comme étant une référence du métal progressif. Pourtant, je suis assez calé, on va dire, en métal progressif. C'est le groupe Heron, mené par Arjen Anthony Lucassen.
Cet album 01, 01101 sortait en 2008, projet extrêmement ambitieux puisqu'il réunit ici 17 chanteurs et une pléiade d'autres artistes invités. Le groupe, le projet de Arjen Anthony Lucassen, Aeron. À suivre un léger changement d'esthétique vers quelque chose d'un peu plus musclé. Ils s'appellent Karak Angrund. Ils sont originaires de Landgraaf. C'est à l'extrême sud des Pays-Bas. Et comme vous allez l'entendre, ça déménage. On n'est pas très loin d'une esthétique à la Flesh God Apocalypse, même si ici l'esthétique est beaucoup plus axée sur le côté black metal de cette musique symphonique. C'est leur album de 2017, Dance and Laugh Amongst the Rotten.
Et comme à l'accoutumée, cette saison, je diffuse un petit peu de trash metal pour que vous voyez un peu ce qui se fait aux Pays-Bas dans ce style. Of the Damned, une discographie imposante. Hein. Ils ont sorti plus d'une dizaine d'albums depuis leur création en 2005. Ils sont originaires de Helden, c'est une ville au sud des Pays-Bas. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi
et avec tous ces excellents groupes de métal des Pays-Bas. On va terminer avec un groupe qui oscille entre le stoner et le progressif. Il s'appelle I Saw the Deep et c'est un extrait de leur dernier EP qui sortait en 2020 et qui s'appelle Vimana.